Je vais vous dévoiler un secret. Hey, salut tout le monde, et bienvenue dans une nouvelle vidéo incroyable et bonne année à tous. Et bien sûr, vous avez vu le titre, alors vous allez voir que c'est un truc de malade. Voilà. Ok, la bonne année déjà pour commencer. Et on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, pas pour rien, pour avoir des réponses. Vous avez peut-être déjà vu quelques vidéos où il y avait des humains. Alors je vais tout vous expliquer. Alors déjà, pourquoi on est là? Pourquoi on est ici? Pourquoi on est sur la roadmap? Ben là, c'est pas annoncé, hein. Là, il n'y a pas écrit humain, là, il n'y a pas écrit humain, là, il n'y a pas écrit humain, là, il n'y a pas écrit ongoing content, il n'y a pas écrit humain, hein, je crois pas, hein. Il n'y a pas écrit humain, voilà, c'est pas annoncé ici. Ensuite, petite intro rapide pour comprendre le sujet. Je suis beaucoup allé sur le Discord de The Isle, alors vous voyez ici, il y a tout, et j'ai beaucoup checké, voilà, à droite, à gauche, dans tout ce qui a écrit ici, annoncement de mécanique, roadmap, update, machin, tout ça, et j'ai pas trouvé d'informations relatives aux humains non plus. J'ai trouvé des photos comme celle-ci, notamment, où il y a des concept art pour les humains, là on en voit un petit. Pas d'informations officielles de les humains sont là. J'ai pas trouvé. Après peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas j'ai pas trouvé, voilà. Évidemment, maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour jouer avec les humains. Je vais vous le dire très rapidement, c'est très facile. Comme d'habitude, vous cliquez sur votre jeu The Eye. Clic droit avec la souris, propriété, bêta. Et là, ici, là vous touchez à rien pour l'instant et vous rentrez le code, ça. Génération 2, Generation 2. Vous faites vérifier le code. Et ça va vous proposer de jouer sur la Quality Assurance Branch. Je sais pas pourquoi elle est pas atteignable, je sais pas pourquoi elle est pas visible. Il faut ce code, je sais pas où on le chope ce code, je sais pas où sont sorties les infos. Mais en tout cas je les ai, ne vous inquiétez pas, je les ai, je trouve toutes les infos. Pas. Ok, ça y est, on y est. Je vais voir si je peux pas rafraîchir les serveurs. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que vu que c'est caché, vu qu'on sait pas que ça existe, il y a personne. Il y a vraiment personne, il y a pas de serveur américain, je sais pas trop pourquoi. Il y a personne dessus, donc niveau gameplay, bah, ça va pas être non plus incroyable. Alors comment ça se passe? Vous voyez qu'il y a herbivore, donc il y a tous les dinosaures ici, mâle, femelle comme d'habitude, carnivore, tous les dinosaures ici en carnivore aussi, voilà, normal. Là, on peut cliquer. Non, on peut pas cliquer. Bon, c'est pas grave. Ici, omnivore, ben, y a rien. Egg, y a rien. Human, là, y a rien. Et là, regardez, ça s'allume un peu. Il y a un petit bruit qui montre qu'on peut sélectionner. Génération 2. Donc, on sélectionne. On va aller à Sous, tout simplement. Et on va valider. Et là, qu'est-ce qui se trame? Voilà. Nous sommes un humain. Nous sommes clairement un humain dans The Isle. Alors, on peut mettre coup de poing. Coup de pied. Voilà. Après les touches, je sais pas, j'ai pas joué, donc je sais pas ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ah, on peut se mettre assis. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, il y a un son. On peut se mettre accroupi. Ah, ok, c'est le son de l'humain qui se... D'accord, on peut courir aussi, j'ai l'impression. Voilà, bon, on peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec les dinosaures. Alors, il n'y a pas de cri. Je sais que on peut avoir une lampe torche, mais je sais pas comment on fait. J'ai vu sur les vidéos des mecs. Ok, nos préférés de food. Ok. Moi, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas le voir. On peut pas le voir, ça c'est un peu dommage. On peut sauter, évidemment. Pour sortir la lampe torche, je sais pas du tout comment on fait. Je laisse mes touches, hein. Ah! F. C'est F. Donc avec F, on peut sortir une lampe torche aussi. Alors ça peut être sympa pour la nuit. Et c'est là qu'on voit que ça peut être un jeu d'horreur, hein. Parce qu'imaginez, paf, là, il y a un gros raptor qui me saute dessus. Tu sursautes. Tu sursautes clairement. Voilà, le vrai problème, c'est que je suis seul sur le serveur. Ce qui serait intéressant quand on joue humain, ça serait se comparer aux dinosaures. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire dans le jeu. Voir les différences de taille entre les humains et les dinosaures. Voilà, voir à quoi on ressemble à côté d'un Deinosuchus full adulte. On doit être microscopique. Déjà, vous voyez que là, j'arrive à peine à l'herbe. Hein. Je suis à la taille des herbes, quoi. Je suis à la taille des herbes. Donc... Quand même... Oh, il y a une biche. C'est une des premières fois que j'en vois. Vas-y, on va la bastonner. Viens la biche. Viens là. Bon. Ouais, par contre, je sais pas si on peut avoir des armes. J'en ai aucune idée. Hein. Je vous dis, c'est la première fois que je joue. Je sais pas si on peut avoir des armes. Je sais pas si on peut avoir des bagnoles, des trucs. On voit qu'il peut y avoir des hélicoptères, qu'il peut y avoir des voitures. Est-ce qu'elles seront utilisables? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Comme ça, à première vue, on a l'air quand même de se déplacer très doucement. Je pense qu'on est juste des victimes pour les dinosaures. Hein. On est vraiment de la viande facile. Ça peut être vraiment sympa de jouer avec des dinosaures. Voir un petit peu la solidité des humains contre les dinosaures. Voir comment on fait pour survivre, comment on fait pour fuir, pour faire des trucs comme ça. Alors, est-ce qu'on peut manger aussi? Ok.
Et là, je peux la manger, je peux pas la manger. What? Et là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire, mais j'ai récupéré une... Une orange. Et est-ce que je peux la manger, du coup? Ok, d'accord. Je reprends de la bouffe. Bon, c'est pas... Là, on en est vraiment au tout début. Hein. On est vraiment au tout début, d'accord. Je mange. Là, je suis en train de manger, c'est un peu chelou. Il a l'air très énervé. Hein. Mais écoutez, j'ai mangé, c'est très bien. Ok. J'ai pas de tête aussi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas se comparer à des dinosaures en vrai. C'est quand même très dommage. Avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va se connecter et on verra, mais. Je suis pas sûr. Là-bas, il y a des. En plus, le problème, c'est qu'il y a que des biches. Et du coup, les biches, elles fuient. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de biches. Ah, j'ai vomi! Tu sais! Ah, là, je vous dis pas s'il y a un Deinosuchus qui sort. Un délire, quoi. Ah, y'a quoi là? Un crapaud! Paf! Voilà, ça le crapaud là! Tous les coups en fait! Je pense qu'on peut nager. Bon, on va essayer de nager. Ah, tout ce qu'il peut faire le bougre! Bon, c'est. Niveau FPS, c'est un peu laggy. Ça fait bizarre, mais bon, écoutez. On peut plonger sous l'eau. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut sortir ça en torche sous l'eau? Non, on peut pas. Ouais, faut que je remonte. D'accord. Très bien. Il n'y a pas trop de sons pour l'instant. Les sons sont pas encore très bien. Enfin, ils sont pas du tout intégrés. Est-ce qu'on peut nager un peu plus vite? Ouais, on peut nager plus vite. Il y a des crapauds. Il y a beaucoup d'IA. Il y a beaucoup d'IA. Ça doit être un test aussi là pour tester si on met beaucoup d'IA, ce que ça donne. Bon, évidemment, vu qu'il n'y a personne. Bof! Ah non, les crapauds. Oh, ils sortent la langue. On peut pas les prendre? On peut pas les manger? Non, on peut pas. Ok. Et du coup, on peut pas les tuer à coup de poing? Non, on peut les tuer à coup de pied. Hein. Bof. Vous saviez ça que les crapauds ils tirent la langue quand on les tue? Eh, mon pote. Je fais la tête, hein. Je peux pas le récupérer, je peux pas le prendre en main. On en est vraiment qu'au début. Hein. C'était juste pour vous montrer comment on fait pour les avoir, les êtres humains. Pour en revenir à ça, c'est que c'est pas annoncé, du coup, il y a personne sur les serveurs. Donc peut-être, pourquoi pas, se faire un petit event humain, tous ensemble. Dites-moi si vous avez envie. Et je crois que je vous ai tout montré. Je vais essayer juste de me coucher, voir ce que ça donne. Là, je suis assis en tailleur, ok. Ah, on peut se mettre comme ça sur le côté. D'accord. Pour logout. Super. En gros, c'est tout. C'est vraiment bête qu'il n'y ait pas de dino, quoi. J'essaierai d'y retourner, faire une autre vidéo avec des dinos. Ok. Bon bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous montrer tout ça. Je vais méditer. Hein, je médite un peu les pieds dans l'eau. Voilà, en attendant le Deinosuchus mortel qui viendra me bouffer. Voilà, bon en gros c'était une vidéo très courte pour vous montrer qu'il y avait des humains dans The Wild. C'est enfin arrivé. Pour l'instant évidemment on peut pas faire grand chose, c'est au début du développement. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec la direction que prend le jeu, voilà les humains. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou vous préférez que le jeu il reste qu'entre dinos. Sachant qu'ils ont toujours annoncé que ça arriverait, que c'est jamais arrivé. Que bah là ça y est, hein. À voir voilà, à quoi ils vont servir les humains, comment le gameplay va évoluer pour eux. En gros c'est tout pour moi. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année et surtout dans cette nouvelle année, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Parce qu'en cette année 2022, qu'est-ce qu'on aimerait? Franchir la barre des 10 000 abonnés. Ça serait quand même intéressant, un jour ou l'autre, de step up sur cette chaîne, d'aller plus haut, plus vite, plus fort, plus loin. Tchuss tout le monde.